Bonjour tout le monde et re-bienvenue au podcast de Sport Québec. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'entraîneur d'équipe de hockey féminin des Titans du Cégep Limoilou, Pascal Dufresne. Salut Pascal. Salut. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Bien, on va commencer vraiment dans le vif du sujet, là. Quand est-ce que tu t'es intéressé au hockey? Ben, j'ai commencé à être entraîneur. Ben moi, j'étais un gars de baseball à la base. Fait que j'étais un joueur de baseball. Je viens d'une famille avec on est six frères. J'ai cinq frères, on est six avec moi. Puis c'était pas possible financièrement de pratiquer le hockey et un autre sport. Fait que j'avais choisi le baseball. J'avais plus de talent au baseball un peu. Puis quand est arrivé la fin de ma carrière de baseball, ben j'ai eu l'opportunité de coacher. J'ai commencé à coacher au baseball. Et à un moment donné, ça s'est passé durant un été autour d'une gang de chums dans la vingtaine, donc on s'est dit, hey, on coache au hockey cet hiver. Puis là, on a dit, on essaye ça. J'ai commencé à Atom avec des petits kids. Puis tu sais, je pense que c'était bien vu à l'époque d'être un quelqu'un qui n'a pas d'enfant dans l'équipe. Là, tu sais, on a entendu parler, là, si on se ramène d'à peu près 25 ans avant, ben, tu sais, de pas avoir, c'était souvent des parents qui coachaient, puis là, ben, d'arriver une gang de chums qui disent, ben, nous autres, on est quatre gars qui veulent coacher, on a un coach des goalers, on est trois adjoints, on a un chef, on a deux adjoints, fait que j'ai commencé comme ça, puis j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un, un mentor qui était là au début, là, il s'appelait Guy Lamontagne, qui s'occupait de la structure de hockey à Beauport, puis, tu sais, lui, il m'avait toujours dit, tu sais, Pascal, l'important, c'est que tu montes les marches une par une, puis, tu sais, on va y aller étape par étape. Fait que j'ai vraiment suivi ce conseil-là à fond. J'ai fait 2, 3 ans à Tourne, 2, 3 ans, puis oui, 2, 3 ans à Bantam. Puis après ça, j'ai été dépisteur pour la Ligue junior majeure du Québec avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Donc j'ai vraiment beaucoup appris à ce niveau-là, à côtoyer André Tourigny, des coachs comme ça. Puis moi, je travaillais déjà au Cégep Limoilou. Fait que quand j'étais au Cégep, ben j'étais déjà technicien loisir au Cégep. Fait qu'ils ont mis en place un programme de hockey féminin. J'étais pas l'entraîneur au début du programme. Le programme a existé 3 ans avant moi. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai eu vraiment une passion pour le hockey versus le baseball. Tu sais, le baseball, c'est très cérébral. C'est un sport qui est très arrêté. Oui, comme entraîneur, tu as beaucoup d'impact, d'indécision. Tu choisis les frappeurs. Tu places ton monde sur le terrain, tes choix de lancer. Mais tu sais, l'adrénaline d'une game de hockey qui est très rapide, très quick, que tu dois réagir rapidement. J'ai vraiment eu la piqûre là, du coaching au niveau du hockey. Fait que j'ai délaissé un peu le baseball pour me concentrer sur la vie de hockey. Ben c'est ça, quand j'ai vu, tu as eu l'opportunité pour être dépisteur, mais ça, pour les gens un peu plus anglophones, c'est pour être le scout pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Puis comment est-ce que l'opportunité est venue pour ça, là? Qui est-ce qui t'a approché, savoir si ça te tentait de le faire? Ouais, mais il y avait quelqu'un là qui est rendu aujourd'hui en Ligue nationale, qui était Michel. Denis Fugère, là, qui travaille pour les Kings de Los Angeles, là, ou avec qui m'a donné ma première chance, il avait besoin de quelqu'un dans la région de Québec. Tu sais, ça fonctionne toujours un peu de même. Il avait besoin de quelqu'un qui suivait. Fait que moi, j'étais responsable de toutes les équipes là, de mon territoire, qui étaient les Lévis, le Séminaire Saint-François, Notre-Dame, les élites du Saguenay, plus les Estacades. Fait que j'avais quand même un gros territoire. Fait que j'ai commencé en étant dépisteur, de ce territoire-là. Puis rapidement, ben, j'ai monté les échelons dans l'organisation, puis j'ai eu plus de responsabilités. Fait que là, à la fin, je faisais du scouting aussi de matchs junior majeur pour préparer l'équipe, que quand l'équipe était à Rouen, puis ils disaient, ben, va voir jouer l'Océanique contre les Remparts, puis fais-nous un rapport de match pour dire, ben, qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, tu sais, plus j'avançais dans l'organisation, plus que j'aurais pu aller plus loin, mais là, il est arrivé l'opportunité du hockey féminin dans ma vie. Ben c'est ça, tu sais, toi, comme tu as mentionné, en 2003, tu as eu l'opportunité d'être entraîneur-chef de l'équipe féminine à Limoilou. Mais avant ça, tu avais coaché juste des garçons. Fait qu'est-ce que tu avais un doute un peu sur le fait de coacher une équipe féminine? Oui, majeur. Ouais, vraiment. J'ai plongé dans quelque chose que je connaissais zéro, là, zéro, zéro, zéro. Puis quand j'ai pris l'équipe, elle était sur le bord de fermer où il n'y avait plus de joueuses. J'avais un gros travail de recrutement à faire et je ne connaissais rien au hockey féminin. Je te dirais que ça a été toute une aventure au début là, de passer à travers ça parce que il faut que tu apprennes tous les rouages de où sont les filles. Puis, tu sais, c'est une époque où le hockey féminin, si on se ramène de 20 ans,
Le hockey féminin, tu avais des filles de 13 ans qui jouaient avec des filles de 20 ans. C'était ça la réalité. T'sais, les gens sont pas conscients de ça. Là. On se met 20 ans en arrière. Dans une équipe junior ou midget, tu avais des filles Pee-wee qui jouaient là-dedans. Là. Pour regrouper des filles ensemble, ben, il fallait qu'ils fassent ça. Sinon, il n'y avait pas de hockey féminin. Fait que, ça a été toute une histoire là, de dire ben, il faut recruter du monde. Je me souviens, ma première année à Limoilou en chef, j'avais une fille de Ringuette, assurément, qui n'avait jamais joué au hockey dans l'équipe. C'était une joueuse de ringuette. C'était plus veux-tu jouer à Limoilou, c'était on prend tout le monde qui se présente. C'était ça le défi qu'on avait. Donc, ça a été toute une aventure au début là, de rentrer dans le hockey féminin. Mais tu sais, avec le temps, tu as fini par passer au travers de ça en t'établissant, tout ça. Puis, tu as eu ton premier titre de coach de l'année à RSEQ en 2011-2012, qui est vraiment, c'est quand même un peu beaucoup après que tu as commencé ta job dans le programme. Comment est-ce que tu t'es senti quand ils t'ont annoncé que c'était toi l'entraîneur de l'année? Ben, c'est ça, c'est que, tu sais, il faut comprendre que le hockey féminin dans la capitale nationale n'existait pas. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout de suite compris au début de mon parcours dans le féminin, c'est qu'il faut mettre une base. Tu sais, j'avais pas de joueuse qui poussait à Limoilou, tu sais, ça arrivait pas, j'avais pas de vague de joueuses, tu sais, c'était comme, il se passe de quoi, là. Fait qu'on a travaillé vraiment fort avec des gens dans la région de Québec pour mettre en place une association de hockey féminin. Ça, c'était la première étape, puis il fallait que Limoilou soit le haut de la pyramide parce que nous, dans la région de Québec, ce qu'on vit comme situation, c'est qu'il n'y a pas d'universitaire, il n'y a pas de Ligue nationale féminine, on a rien au-dessus de Limoilou, là. Fait que, tu sais, c'était comme, on était le haut de la pyramide, puis tu sais, je m'en cacherai pas, je me suis inspiré du Rouge et Or football. Fait que j'ai dit, on va devenir la référence en hockey féminin, on va organiser des choses pour les petites filles, on va s'impliquer dans tout ce qui est programme de hockey féminin. Fait que moi, c'était ma priorité, c'est-à-dire, ben, faut être partout, faut qu'on voit Limoilou partout, faut faire des camps d'été, faut faire, tu sais, pour être capable de créer un modèle où on va mettre une base solide. Puis là, ben, il y a des gens qui se sont impliqués dans l'association de hockey féminin, qui ont mis en place des équipes de filles à partir de l'âge novice, atome, puis oui. Fait que là, ben, pourquoi ce titre-là est arrivé en 2011? Ben, je pense que c'est tout le travail qui a été fait en amont de dire, ben, on met en place du hockey féminin. Parce que, tu sais, si j'ai des bonnes joueuses qui arrivent dans mon programme, ben, je vais gagner. C'est la logique. Fait que, t'sais, puis plus il en arrive des bonnes, plus l'équipe va avoir de la profondeur, puis plus elle va gagner. Puis ben, c'est ça, c'est que ça a pris un virage d'à peu près 7-8 ans à mettre en place des programmes. Puis là, ben, depuis ce temps-là, ben, on a des arrivées de joueuses massives dans le hockey féminin. J'ai plus besoin de recruter partout dans la province. T'sais, ma réalité est que présentement, je suis en train de t'sais, j'ai juste besoin de recruter dans mon territoire. Puis j'ai une équipe qui est hyper dominante sur la patinoire. Fait que, t'sais, c'est très fun. Puis je pense que c'est pour ça que ce titre-là est arrivé. Puis de se faire dire cette journée-là, ben merci Pascal. Ton travail est reconnu parce que là, Limoilou est devenu un programme qui peut maintenant penser gagner des championnats. Parce que Francis, je te cacherai pas, là, dans mes premières années, gagner un championnat, c'est impossible. Il y avait des programmes à Montréal qui étaient beaucoup trop forts. On n'était pas de calibre. Ben c'est ça, tu sais, tu parlais un peu du hockey au complet, tu sais, des établissements, tout ça. Puis toi, tu as été impliqué avec les As de Québec. Puis ce que j'ai pu comprendre, c'est que j'ai regardé un peu sur Internet, puis ta fiche de recrutement, c'est quasiment juste des filles des As de Québec. Fait que explique-nous un peu c'est quoi ça. Ouais. Ben, dans le fond, c'est que Hockey Québec, il y a 4 ans, ont mis en place une structure intégrée qui est un peu copiée au programme masculin. C'est-à-dire qu'on regroupe les meilleures joueuses dans un territoire. Mais la réalité du hockey féminin, c'est qu'on n'a pas 40 équipes dans la province, on a 8. Fait que la Ligue 3A féminine, dans le M13 Pee-wee, qu'on appelait anciennement le Pee-wee, le M15 le Bantam et le M18 le Midget, fait qu'on a 8 concessions. Fait qu'il y a une concession à Québec qui s'appelle les As. Après ça, on a une concession dans le centre du Québec qui s'appelle les Stars. On a une concession à Sherbrooke qui s'appelle les Harfang. Richelieu ont sa concession. Après ça, Outaouais a une concession. Laval, Montréal, Laurentides-Lanaudière. Fait que là, ça fait une ligue à 8 équipes. Lac-Saint-Louis aussi. La 8e, c'est Lac-Saint-Louis. Le territoire des As est vraiment grand. Fait que nous autres, on s'est dit, tout ce qui touche la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale, c'est le territoire des As. Mais la réalité, Francis, ce qu'on vit présentement, c'est que les jeunes filles, ils vont arriver plus à l'âge M18.
C'est-à-dire que toutes les jeunes filles qui jouent dans des programmes masculins ou scolaires de ce monde, ben, jusqu'à l'âge M15, ils peuvent continuer à jouer avec les garçons. C'est encore sécuritaire, c'est encore possible. Mais quand ils arrivent M18, l'écart physique est beaucoup trop grand. Ça fait que là, on a des arrivées là, de partout pour nos M18. C'est pour ça que les As, présentement, ils ont une défaite dans l'année. Ils ont une équipe extraordinaire. Mais la réalité, c'est que ça, c'est qu'à partir de M18, ben là, on a des filles qui déménagent de la Gaspésie, de la Côte-Nord, du Saguenay. Fait qu'ils viennent en sport-études à Québec. Fait qu'ils participent au programme des As. Fait que c'est un petit peu ça, les As. Puis, pourquoi je m'y suis impliqué? Ben, c'est un peu le club école des Titans. Tu sais, c'est comme, il fallait qu'on mette ça en place pour pouvoir continuer le développement puis de regrouper les meilleures joueuses avec les meilleures joueuses. Tu sais, parce que le gros travail du hockey féminin, c'est qu'il faut qu'ils pratiquent avec les meilleurs puis qu'ils jouent avec les meilleurs pour augmenter le calibre. Tu sais, c'est un peu ça qui, là, on passe à un autre sujet, là, Francis, mais la grande faiblesse du hockey féminin québécois présentement, pourquoi on a juste deux joueuses sur l'équipe nationale? Quand je dis joueuses, c'est avant défenseur, là, on a juste Marie-Philippe et dans les dernières années avec Mélodie Daou, ben, le gros problème, c'est le calibre de jeu au Québec, là. On n'est pas capable d'avoir de la compétition saine. Fait que de regrouper les meilleures joueuses de calibre 3A dans une ligue provinciale, ben, je pense que c'était une excellente idée. Puis là, ben, ça nous permet, nous autres, aux Titans, de recruter des filles qui viennent de ce programme-là, des As de Québec. Fait que c'est vraiment super intéressant. Bon, on va retourner un peu justement à tes succès avec Limoilou, là. En 2010-2011, tu aurais gagné ta première médaille provinciale qui était la médaille de bronze. Puis ça, comme tu m'as dit, tu sais, juste être compétitive pour toi au début du programme, c'était même pas une option, là. Fait que, comment est-ce que tu t'es senti quand vous avez gagné cette médaille-là? Tu sais, que tu as comme peut-être commencé à réaliser que hey, on est capable de compétitionner avec les autres, là. Ouais, c'est ça. C'est qu'au début, comment c'était fait, c'est qu'on finissait ça avec un top 4, là. C'était un Final Four, un peu modèle NCAA. Fait qu'on s'est rendu compte que là, on arrivait proche, là, de rivaliser avec les gens. Tu sais, c'était plus facile. Puis là, on sentait que le talent, mais il nous manquait encore des éléments de profondeur, là. Tu sais, il y avait encore des Dawson puis des Saint-Jérôme de ce monde qui étaient un peu trop forts. Mais on s'approchait, là, on cognait à la porte, puis on savait qu'il s'en venait une transition à un moment donné, parce que nous autres, on voyait le bassin de la région de Québec, là, on les voyait en bas, là. Tu sais, à partir de ces années-là, là, si on fait des recherches, là, on a gagné les Jeux du Québec, la capitale nationale. Tu sais, puis là, c'était la génération d'Élisabeth Giguère qui s'en venait, puis on les voyait s'en venir. Puis on se disait, s'ils choisissent Limoilou, puis ils restent avec les filles, là, Limoilou va être sa map. Puis tu sais, on voyait, là, que le tournant s'en venait, là. C'était vraiment. On a passé proche d'y goûter plus tôt, mais là, on voyait. En tout cas, c'était vraiment. La transition s'est amorcée à partir de là. Parce que c'est ça que c'est le fun, là, tu sais, que tu vois, t'as peut-être des moments un peu plus difficiles, mais tu dis, ben, eux autres, quand ils vont devenir au cégep, ils vont être bonnes. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, quand c'est un indicateur, tu sais, pour nous, les Jeux du Québec, c'est les meilleurs. Tu sais, les Jeux du Québec, c'est la compétition qui nous représente le plus au hockey féminin parce que là, ils regroupent tout ensemble. Que tu joues avec les gars, que tu joues avec les filles, que n'importe quoi, là. La règle des Jeux du Québec, c'est le hockey féminin. Fait que ça nous permet de dire, ben, de situer la capitale nationale ou nos territoires des Titans, ben, de dire, OK, comment qu'on va être dans 2, 3 ans. Mais on va continuer un peu sur tes succès avec le Cégep de Limoilou. Puis, tu t'es rendu en finale 8 fois de suite jusqu'à l'arrêt des sports. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez aussi dominant? Est-ce que c'était vraiment juste la base que vous avez installée ou il y a autre chose qui a fait que ça fonctionnait vraiment? Ben, c'est ça, tu sais, il est arrivé un moment où que, oui, le recrutement a joué pour beaucoup dans la suite des choses, là. Je me souviens très bien de deux situations où que, tu sais, on avait une joueuse d'impact qui était en Ontario dans un prep school puis qui a décidé de s'en venir à Limoilou, qui était Catherine Dubois. Ça a vraiment, l'arrivée de Catherine a vraiment fait, ben, Limoilou devient une destination où qu'on peut développer des joueurs de hockey puis qu'on peut les emmener à jouer universitaire puis jouer sur l'équipe canadienne. Ça a été un point tournant. Il y a aussi un autre point tournant que je raconte souvent, c'est que, un moment donné, mes capitaines de l'époque sont venus me voir puis ils m'ont dit, là, Pascal, t'es trop fin. Traite-nous. Aie pas peur de pousser la machine plus loin. Aie pas peur d'être plus dur envers nous. Puis que, t'sais, ce groupe de joueuses-là, à l'époque, ben, ils voulaient aller plus loin, t'sais. Ils voulaient gagner des championnats, ils voulaient qu'on. Ça a vraiment changé la culture à partir de là. Puis là, ben, le recrutement a explosé. Puis oui, t'sais,
il y a des super joueuses qui ont passé par Limoilou. Puis c'était épouvantable là, de voir le talent qu'on avait année après année, mais on réussissait à aller chercher des filles du. T'sais, on a grugé tout le territoire du centre du Québec, là, des filles comme Gabrielle David, Audrey-Anne Veillette, t'sais, c'est toutes des joueuses dominantes qui étaient de Drummondville dans ce secteur-là, puis qui ont toutes choisi Limoilou année après année parce que le programme était solide. T'sais, puis c'est ça qui a fait qu'on a cumulé les championnats année après année. Puis on est extrêmement fiers de ça. Là, t'sais, c'était. T'sais, tantôt, je parlais de l'inspiration du Rouge et Or football, mais. T'sais, vous n'avez pas idée, je le dis au monde, là, vous n'avez pas idée comment c'est dur de rester au top. C'est un travail de tous les jours. Ce que fait le Rouge et Or football, pour moi, dépasse, t'sais, pour le vivre à plus petite échelle au niveau du hockey féminin, c'est tellement de travail de te questionner sur mon programme, il est-tu à hauteur, il est-tu encore à bonne place, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. C'est des questions qu'on se pose à chaque année pour pouvoir attirer les joueurs. Là. Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est sûr que il faut que ça prenne beaucoup de choses. Puis avec le succès, le recrutement va venir. Si tout le monde vous voit gagner, c'est sûr que ça va affecter les jeunes joueurs qui vont venir jouer avec vous autres. Mais comme j'ai mentionné, tu sais, tu t'es rendu en finale 8 fois de suite, vraiment jusqu'à l'arrêt des sports. Puis toi, en étant vraiment dans le milieu en plus, en travaillant au Cégep, comment est-ce que tu as vu que la COVID a affecté tes joueuses, mais aussi pour toi? Ben, ça l'a affecté. T'sais, ce qui est le pire, là, présentement, avec du recul, c'est que c'est à tous les niveaux que là, ça a créé des congestions. Fait que nos joueuses n'ont pas eu la vie facile pour se placer universitaire, Francis. Ça, pour moi, c'est le drame numéro un de la COVID au niveau de mon sport, c'est que ben, présentement, nos joueuses sont pas toutes capables d'accéder au plan universitaire parce que les universités ont donné une année d'admissibilité à tout le monde. Certaines d'entre eux autres n'ont pas été vues jouer pendant 2 ans de temps. Au niveau du recrutement, là, tu sais, c'est majeur. Tu sais, tu joues pas au Québec, on jouait pas, là. Tu sais, ça jouait aux États-Unis, ça jouait ailleurs, ça jouait en Ontario, mais ça jouait pas au Québec. Fait que tous ces filles-là qui n'ont pas joué pendant cette année-là de COVID, ben, ils n'ont pas été recrutées. Fait que quand on est arrivé à la fin pour repartir la machine, ben, le recrutement universitaire était déjà comblé, puis eux autres, ils avaient déjà comblé leur poste. Fait que ça, c'est un angle mort que moi, j'avais pas vu venir, puis que je trouve lourd, puis que je trouve triste pour nos joueuses de ne pas avoir fait ça de ne pas avoir réussi à atteindre ça. T'sais, ça, pour moi, c'était majeur. Pour le reste, ben, on a développé des outils, on a essayé de faire de notre mieux, mais c'était la catastrophe totale, là, t'sais. Puis il y a eu un réflexe féminin, du sport féminin. Nous autres, on le voit, là. Moi, je travaille au Cégep, puis tu sais, je le vois dans les filles se sont ajoutées des cours. T'sais, les filles se sont tirées dans les études puis ont laissé tomber l'entraînement. Versus les gars qui, eux autres, qui ont continué à s'entraîner en salle, ont fait des entraînements individuels, ils se sont pas lancés dans les études. Fait que c'est deux comportements complètement différents. Fait que la pandémie a amené ça. Fait qu'il y a des filles qui ont terminé leur Cégep plus vite pour pouvoir aller plus vite universitaire. Puis finalement, ils se sont rendus compte que ça n'a rien servi parce que j'ai pas de place universitaire pour jouer au hockey. Fait que c'était un peu contradictoire en ce qu'on a vécu, là. Ouais. À ce Si on peut. niveau-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, tu sais, il y a eu le retour après le COVID. Là, tu sais, on a pu recommencer les sports et tout. Puis là, tu as eu finalement ta streak de présence, ben, ta streak de victoire en finale qui s'est terminée. Ouais. Là, finalement, je pense que tu es en chemin pour y retourner cette année, idéalement. Ouais. Puis, comment est-ce que tu fais pour, avec tes filles, j'aimerais rebâtir vraiment ton programme de hockey, tu sais, malgré la COVID, tu sais, l'arrêt des sports pour presque 2 ans. Puis, tu sais, là aussi, le fait qu'ils sont moins en forme, qu'ils sont moins habitués, etc. Ben, ça a été, tu sais, l'important comme entraîneur, c'est d'avoir on avait un plan, on a maintenu le plan, on n'a pas lâché de tout ça. T'sais, on avait dit aux filles, ça va être un long processus de rebâtir le programme puis de le maintenir en haut niveau. L'année passée, c'était une année un peu bizarre, là, t'sais, avec la pause en janvier, février, mars. Mais cette année, on vit vraiment une année plus normale. On est revenu au modèle de notre programme de Limoilou. T'sais, nous, on croit beaucoup au développement de l'équipe, au développement individuel de chaque joueuse, que tout le monde a un rôle dans l'équipe. On a quand même fait 4 tournois dans l'année, ce qui est un retour à la normalité. Dans le hockey féminin, d'aller jouer contre des équipes ontariennes, américaines, ben, ça nous permet de vérifier où est-ce qu'on est rendu dans notre cheminement de hockey. Fait que, tu sais, on a vraiment stabilisé beaucoup de choses.
Ce qui a été dur, c'est que ces filles-là n'ont pas vécu une année normale, n'ont pas vécu de situation dans la normalité. Fait que là, ils apprennent présentement. Fait que c'est comme si tu avais une équipe de toutes de recrues, même si tu as 11 finissantes, là, on est dans l'apprentissage beaucoup, mais on a suivi le plan. Si tu regardes nos performances cette année, on avait dit aux filles, mi-novembre, mi-novembre, on va piquer, on va être à la bonne place. Puis là, ben, depuis la mi-novembre, on n'a pas une défaite. On est en contrôle de la situation. L'équipe va bien. L'équipe est de bonne humeur. Ben, fait que, t'sais, je suis vraiment content parce qu'on a réussi à repartir la machine. On a eu un bon recrutement pour le futur. On a une joueuse étoile, là, t'sais, Héloïse Caron, qui est avec nous présentement cette année. T'sais, une fille qui arrive du championnat du monde, qui a gagné l'or avec le Canada. C'est aussi une année, Francis, des Jeux du Canada. Je ne sais pas si vous voulez aborder ce sujet-là. Un petit peu plus tard, là, au niveau des Jeux du Canada, ben moi, je suis l'entraîneur de l'équipe du Québec. On a deux filles qui vont être sur le programme d'équipe Québec. On s'en va aux Jeux du Canada dans 2 semaines. Fait que, tu sais, c'est une année qui était quand même très, très chargée, mais qui nous ramenait une normalité. Fait que, je suis vraiment fier de ce qu'on fait présentement. Les filles répondent bien. L'équipe est vraiment bien positionnée. Ben, j'ai pas fait trop de recherches sur Ouais. les Jeux du Canada, mais moi j'aimerais ça te poser une couple de questions sur toi en tant qu'entraîneur. Ben oui, vas-y. J'aimerais savoir s'il y avait une chose que tu avais à me dire, qui est la chose la plus importante que tes filles doivent absolument faire sur la patinoire, c'est quoi? Ben moi, je pense que la chose la plus importante, c'est l'intensité. C'est de faire les choses avec à fond de train tout le temps. Je leur dis tout le temps d'être tout le temps en arrêt, stop and start, de mettre les freins sur la patinoire, de pas tourner dos au jeu. Ben, t'sais, c'est vraiment des exigences que nous, on maintient ce discours-là depuis le jour 1. Si tu avais à te décrire, toi, là, comme entraîneur, comment est-ce que tu le ferais? Qu'est-ce que tu me dirais? Je suis un entraîneur qui est axé sur l'offensive au niveau du hockey. Moi, je crois sincèrement que si tu en scores 4-5 par match, la pente est dure pour l'autre équipe de t'en marquer 4-5 aussi. Fait qu'on va mettre je suis un entraîneur qui croit à ça, à cette mentalité-là. T'sais, souvent, on entend des entraîneurs de dire bon sans la rondelle, d'être bon défensivement. Moi, je suis complètement l'opposé de ça. Il faut qu'on ait la meilleure attaque de la ligue, il faut qu'on ait la meilleure. Je suis un entraîneur aussi qui croit beaucoup à la communication, de dire les choses vraies, d'être très, très honnête envers les athlètes. Des fois, c'est bien de dire des bonnes choses, mais des fois aussi, c'est de dire la vérité. Ça va moins bien, il faut l'appliquer. C'est qu'il y a beaucoup une culture d'équipe. C'est ça, là. La culture d'équipe, je retiens ça d'André Tourigny. André Tourigny, c'était son cheval de bataille à Rouyn-Noranda. Ça a été son cheval de bataille par tout ce qui est passé. Puis c'est ça avec les Coyotes de l'Arizona présentement. C'est de mettre en place une culture d'équipe, que cette culture d'équipe-là va être adhérée par tout le monde. Puis dans cette culture d'équipe-là, bien, qu'il y ait des valeurs qui te rejoignent comme entraîneur. Que ce soit la passion, que ce soit justement la communication, l'honnêteté, le respect. Tu sais, moi, c'est toutes des choses que je veux mettre en place dans mes équipes pour qu'on soit capable d'avoir du plaisir. Parce que moi, je le dis tout le temps, là, j'ai 4 enfants. Demain matin, si j'ai pas de fun à aller à l'aréna, je vais arrêter tout ça, là. Moi, je fais ça pour m'amuser, je fais ça parce que c'est plaisant, parce que c'est une passion, puis parce que ce groupe d'âge-là, qui est de hockey féminin collégial, est extraordinaire à coacher. C'est des filles vraiment le fun à côtoyer année après année. Ils sont matures, ils sont sans tâche, ils sont appliqués. C'est pour ça que je le fais. Mais c'est aussi grandi là, à cet âge-là, puis surtout à ce niveau-là, on voit plus vraiment les situations des filles qui sont obligées par leurs parents ou pour le faire avec leurs amis. Là, t'sais, c'est vraiment des gens qui sont là pour réussir puis qui sont motivés pour compléter ce qu'ils ont à faire. Oui, sans aucun doute. Puis, tu sais, 80% de mes joueuses veulent passer à l'autre niveau après. Ça aussi, c'est un enjeu majeur, Francis. Tu sais, ils ont un espoir de jouer universitaire. Il y en a qui ont espoir de faire Team Canada. Il y en a qui ont, tu sais, j'ai la chance de coacher de l'élite, là. Tu sais, c'est comme, ça vaut de l'or, ça, là. Tu sais, fait que, c'est dans l'équation. Je côtoie de mes amis qui sont coachs dans le hockey masculin. Ils vivent pas le même genre de motivation que moi, là. Tu sais, c'est comme, c'est la finalité, c'est la fin de leur carrière collégiale. T'sais, moi, non, là. Moi, tu sais, pas cette année, on a 11 finissantes. Présentement, sur les 11 finissantes, on a 9 qui vont jouer universitaire l'an prochain. Fait que, tu sais, ils veulent passer à l'autre niveau. Ben, en parlant de l'autre niveau, justement, on a vu quelque chose qui s'est installé dernièrement, le Premier Hockey Federation. Toi, c'est quoi ton opinion là-dessus, sur cette ligue-là? Moi, je comprends rien. Moi, là, Francis, là-dessus, je me fais pas d'amis, mais mon Dieu, que je comprends pas ce qui se passe.
comment on a une ligue professionnelle présentement, qui est celle-là que tu as nommée, la PHF, c'est ça? Ouais, PHF. Où joue la force, qui paye ses joueurs bien. On parle de 40, 50 000 US. Puis durant ce temps-là, les filles de la PWHA, qui sont nos Olympiennes, ne jouent pas au hockey. T'sais, moi, je comprends rien. Je peux pas croire que présentement, on n'est pas capable de mettre en place une seule ligne avec un mélange de tout ça, puis que ces gens-là se parlent, puis ces gens-là. Moi, je ne suis pas les Olympiennes, je ne suis pas capable. T'sais, présentement, là, ils ne jouent pas au hockey. Ils jouent 8 fois contre les États-Unis, puis ils se font des showcases 3 fois dans l'année. Ça fait longtemps que c'est le même. C'est depuis avant la pandémie qu'il n'y a plus de ligue. Là. Fait que, t'sais, ce que j'en pense, je pense sincèrement que la PHF, wow, félicitations, vous avez réussi à faire ça. Est-ce que ça va bien, la Force de Montréal? Est-ce qu'ils ont des chiffres d'affaires? J'en ai aucune idée, je me pas d'opinion là-dessus, sauf que présentement, il y a une équipe professionnelle, puis qu'il y a des filles salariées. Mais ça, je trouve ça extraordinaire. Puis durant ce temps-là, nos Olympiennes qui rempliraient les arénas, puis que les gens veulent voir, mais ils jouent pas au hockey. Je comprends rien là-dedans. J'aimerais ça être dans l'intérieur pour essayer de comprendre pourquoi vous jouez pas au hockey. T'sais. Pourquoi Marie-Philippe Poulin ne joue pas dans cette ligue-là? Pourquoi Anne-Renée Desbiens ne garde pas les buts dans cette ligue-là? Pourquoi Hillary Knight des États-Unis ne joue pas dans cette ligue-là? Je comprends pas. J'ai pas de réponse. Puis je suis pas dans le secret des dieux, mais un jour, je pense qu'on va apprendre des choses comme de quoi qu'ils n'auront pas le choix de se mouler à cette ligue-là. Puis tu sais, le game changer qu'il y a eu, puis je pensais qu'il arriverait plus vite, c'est que là, la nouvelle directrice des opérations de la Ligue PHF, c'est Mélodie Davidson. Mélodie Davidson, c'est l'ancienne directrice générale du hockey féminin à Hockey Canada. Je peux pas croire que cette personne-là, que j'ai un énorme respect pour elle, elle a fait que du bien dans le hockey féminin, va mettre en place un pont entre nos Olympiennes et la PHF pour pouvoir augmenter le nombre d'équipes, puis de dire un jour que tout le monde joue dans la même ligue. On ne pourra pas tenir deux ligues de front, là. Ça, c'est impossible, ça n'a pas marché. Fait que là, faut réunir tout ce monde-là autour d'une table et dire, OK, on joue tout ensemble, puis on met une deuxième équipe au Québec. On n'a pas le choix, ça va prendre deux équipes au Québec ou. Fait que moi, c'est ça mon opinion sur cet obstacle-là. Puis bravo à ce que fait Kevin Raphaël à Montréal. Puis bravo que ces gens-là sont payés. Puis que des filles comme Catherine Dubois, qui joue à Limoilou, joue dans cette ligue-là. Puis qu'elle a un salaire aujourd'hui. Puis qu'elle joue au hockey féminin. J'admire ça, mais je comprends pas la réaction des Olympiennes présentement. Je ne sais pas où ils s'en vont. Je comprends pas. Il y a probablement une histoire avec le programme olympique, puis le comité, puis des choses de qui n'ont pas le droit de jouer peut-être. Mais moi, justement, tu parlais d'instaurer peut-être une deuxième équipe à Québec, mais au Québec en fait. Puis si toi, on t'offrait de prendre la barre d'une équipe de la PHF à Québec, est-ce que tu le ferais? Non. Non. Non, sans aucun doute. Moi, j'ai dit, si un jour je veux aller ailleurs, je vais aller au Rouge et Or de l'Université Laval. Si un jour ils partent un programme de hockey féminin, ça sera la fin de ma carrière, peut-être. Mais je suis tellement bien au Cégep Limoilou. Je suis entraîneur, président, directeur général. Je prends les décisions que je veux. J'ai un employeur extraordinaire qui m'appuie dans tout ce qu'on fait. On a un programme vraiment, vraiment complet. J'ai un staff en or autour de moi qui travaille avec moi. J'ai des joueuses extraordinaires. J'ai pas le goût là, d'aller m'en aller dans d'autres choses présentement. Mais le Rouge et Or, pour moi, ça serait un défi que de dire, ben, wow, on bâtit le programme, puis qu'on dans ma ville, de pouvoir coacher universitaire. Oui, ça serait le niveau après, mais je cours pas après ça présentement. Mais ça serait de repartir un peu à zéro comme tu as fait avec les Cégeps de Limoilou, dans le fond. Ouais, mais je te dirais que le zéro ressemblerait plus à 90 parce que, tu sais, la quantité de joueuses qu'il y a au Cégep Limoilou qui auraient joué à Laval, Ouais. ça aurait même pas été drôle. Tu sais, tous les filles qui viennent à Limoilou tombent en amour avec la région de Québec, veulent rester à Québec. L'Université Laval offre une panoplie de programmes universitaires extraordinaires pour les filles, que ce soit de la médecine, des soins infirmiers, du travail social. Ils ont toutes. Si ça serait un programme. Tu sais, j'ai déjà dit à l'époque à Gilles Lépine, qui était directeur des sports du OGR, il m'avait dit combien d'années, mettons qu'on partirait, là, 3-5 ans, tu vas être champion canadien. C'est pas prétentieux, c'est la réalité. Tu peux pas avoir eu tant d'années de succès à Limoilou que tous ces joueuses-là vont s'en aller. Là.
sais, mettons là, que cette année, sur mes 9 qui sont signés universitaires, qu'il y en a 7 qui auraient été à Laval, tu sais, assurément. Puis sans compter tous ceux qu'on aurait convaincus de jouer ailleurs dans la ligue, qui seraient venus avec le Rouge et Or. T'sais, la machine du Rouge et Or, l'image du Rouge et Or, tu sais, ça serait un success story instantané. C'est pas comme partir de zéro puis partir un programme de hockey féminin. Là. En tout cas, moi, je vois que du positif si un jour ça arrive. Ben, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que tu décides puis tu dis je m'en vais le partir moi-même puis Ah, j'ai déjà pensé faire ça, mais je n'avais pas les fonds financiers pour, pour pouvoir soutenir ça. Parce que, je ne sais pas, Francis, tu connais-tu un peu le fonctionnement du Rouge et Or? non, pas vraiment. Ben, je vais prendre 2 secondes pour t'expliquer. Ce qui est spécial du Rouge et Or, c'est que c'est des corporations. C'est-à-dire que le football a sa propre corporation, que le volleyball a sa propre corporation, le basketball a sa propre corporation. Et les corporations sont en charge du financement de l'équipe. Je sais pas si tu me suis. Ouais. Fait que, tu sais, le Rouge et Or, là, si tu veux partir du hockey demain matin, ils ne mettent pas de bâton dans les roues, ils disent que ça prend une corporation. Mais la corporation de hockey, ben, il faudrait qu'elle ramasse au-dessus de 150 000 par année en financement pour dire, OK, on a un. C'est ça le modèle du Rouge et Or. Tu sais, quand les gens disent le club du football, c'est M. Tanguy, ben, la réponse, c'est vrai que c'est M. Tanguy parce que M. Tanguy est président de la corporation, puis M. Tanguy emmène du financement. Tu sais, mais c'est le même dans tous les sports au Rouge et Or. C'est une formule qui est un peu spéciale, mais qui est comme ça. Fait que, tu sais, de dire demain matin, on part un programme de hockey féminin ou un programme de hockey masculin ou les deux, ben, c'est de trouver du financement. Puis, tu sais, ça, j'ai pas d'énergie à mettre là-dessus, moi, présentement. C'est pas dans mes ambitions. Ben écoute, moi je vais te poser une dernière petite question là, que je suis sûr qu'il y a bien du monde qui se pose. C'est qui la meilleure joueuse que tu as eu la chance de coacher? Ben, c'est plate à répondre, mais je suis obligé de répondre à Elisabeth Giguère. T'sais, Elisabeth Giguère a été une joueuse extraordinaire, qui était beaucoup trop forte pour le calibre qu'on avait, mais qui était extraordinairement le fun à coacher. T'sais, Elisabeth a joué 3 ans à Limoilou, pulvérisé tous les records de points, puis elle avait la grande qualité de changer une game en 10 secondes. T'sais, c'était ça, Elisabeth Giguère. C'est la première fille qu'on a coaché à Limoilou, qui est présentement sur l'équipe senior. Là, elle vient d'arriver sur l'équipe senior à 25 ans. Elle a gagné la MVP au niveau de la NCAA. Elle a dominé la NCAA au niveau des États-Unis avec l'Université de Clarkson. C'était vraiment une joueuse extraordinaire, mais on en a eu plein d'autres, là. Tu sais, Gab David, Amy Fecteau, tu sais, je pourrais en nommer, puis Rosalie Bégincir, tu sais, ça a été des joueuses d'impact. Puis là, je le vois, là, Héloïse Caron qu'on a présentement chez nous. C'est ça, c'est des super vedettes qui vont avoir des avenirs assurément avec Hockey Canada. Mais Elisabeth avait un petit quelque chose de plus. C'était une fille de Québec qui venait de la région. Tu sais, c'est ça. Ça a été toute une joueuse de hockey à Limoilou. Ben écoute, merci énormément Pascal de ton temps. T'sais, on est en plein avant-midi, fait que c'est sûr que tu as vraiment pris du temps du travail. Ah, mais on Mais pratiquait ce matin, ça fait que on était sur la glace de 8 h à 10 h, puis après ça, j'avais un petit peu de temps avant l'après-midi. ben écoute, merci énormément vraiment de ton temps. C'est vraiment cool d'avoir une nouvelle perspective sur le hockey féminin, puis sur comment est-ce que toi tu mettais en place vraiment la base du hockey là, très jeune déjà dans la capitale provinciale. Ouais, ben c'est ça, tu sais, puis. Si un conseil que je veux donner, si un jour quelqu'un veut partir un programme de sport, mais assure-toi que tu as du monde en dessous de toi qui vont te fournir du monde. T'sais. C'est la clé du succès. Limoilou a du succès parce qu'il y a un programme en dessous. T'sais, cette année, on a mis en place les mini-titans, Francis. Là, on offre aux trois à partir de 3 ans, ceux qui veulent essayer le hockey féminin, ça s'appelle les mini-titans. Puis ils vont sur la glace une fois par semaine. Puis c'est des filles des titans qui donnent la séance. Les petites filles ont des chandails aux couleurs des titans, des collants sur le casque comme les grandes. Tu sais, c'est des programmes comme ça qui moussent l'intérêt, puis que ces petites filles-là, ben, dans 10 ans, vont être étudiantes au Cégep Limoilou, puis vont jouer pour les titans. Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, tous les programmes de sport devraient avoir des pyramides comme ça, puis ça nous aiderait à progresser. Ça fait que c'est le petit conseil que je donne en terminant de travailler sa base, ça aide tellement, là. Ben écoute, merci encore de ton temps. Là, puis ben, c'est sûr que je vais continuer à suivre un peu plus votre progression, savoir si tu te rends encore en finale provinciale.
Ouais, c'est ça. Ben là, avant ça, je m'en vais aux Jeux du Canada. On va essayer de gagner la médaille d'or pour le Québec. Fait que c'est mon prochain défi dans les 2 prochaines semaines.